la traite ou pas trop? J'aime bien parce que ça les soulage. Et pourquoi il y a ce gros ventilateur là, hein? Ce gros ventilateur, il sert pour les mouches. Ah ouais. Ça permet de... On les sent bien malgré tout. Ouais, on les sent bien, mais... Vous savez d'où ça vient, ce ventilateur? Non. C'est un ventilateur d'effets spéciaux de cinéma. Ah ouais, voilà. Alors le voilà, ce bon lait. Exactement. C'est beau. Ouais, c'est beau, rond comme ça. Et pourquoi elle est en bois, cette cuve? C'est ce qui se faisait avant, c'était du bois de châtaignier. C'est un bois qui est imputrescible, qui amène et qui garde les ferments naturels du lait, de la montagne et puis de la vache. Et ça permet d'avoir une typicité du fromage par rapport aux voisins. Quoi. Donc la traite au champ. La fabrication entre le 25 mai et le 13 octobre. Deux races, l'Aurac et la Simmental. Traite à plus de 1000 mètres d'altitude. Et fabrication dans un buron et affinage au buron, c'est le cahier des charges du Laïol buron. On est les seuls à l'avoir. Et ça, c'est quoi là? Alors, ça, on peut le déplier. C'est la tome qui a été faite ce matin. Et c'est ça qui va dans l'aligot? Voilà. Alors, c'est des blocs de cahier. Alors, derrière cette porte? C'est la cave. Ah ouais! Ah oui, d'accord. Je rentre en premier. Ah oui, bon, ça, c'est un peu l'ammoniac. Hein. Ouais, ouais, toujours. Rassurez-vous. Non, non, mais j'ai l'habitude. Ouais. Ah ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a différentes formes là. Voilà, alors ça c'est les vieux de la saison passée. Ça c'est la production depuis le mois de juin. Ouais, mais pourquoi vous faites des toutes petites comme ça? Qu'est-ce qui vous motive en fait? D'une, la quantité, parce que j'avais encore trop de lait. Et là j'ai fait 4 fromages. J'ai fait celui-là moyen, 2 25 kg et 1 de 10. Et ça c'est des pièces qu'on vend entier. Et les gens les prennent à l'automne et ils les mangent pour Noël. Il le partage entre frangins ou famille, amis. Ça, c'est 10 kilos. C'est 10 kilos, ouais. Et est-ce que c'est meilleur au fur et à mesure que ça vieillit? Ça, ça dépend des goûts. Après, moi je préfère, ouais. Est-ce que c'est meilleur quand c'est bon? C'est meilleur quand c'est bon. Le fromage. Ah oui, c'est bon. Celui-là, je ne le connais pas, je vais le goûter aussi. Je vous assure, allez-y. Allez, je goûte. Mais je, il faut goûter près de la croûte parce que c'est le meilleur. Vous voyez des différences dans les tomes, vous? Quand vous les goûtez Oui, parfois, oui, oui. C'est pas comme on disait tout à l'heure du fromage pasteurisé de supermarché. Il a du caractère, c'est vrai. Il fond sur la langue. Et vous allez voir, ce qui est très agréable, c'est le goût qu'il vous laisse en bouche. Ah, c'est joli, là, des berthes. C'est rare de voir des berthes. Quand j'étais petite, j'allais à la ferme acheter de lait avec les berthes. Et il y a d'autres burons comme vous qui continuent la production? Nous sommes le dernier buron. Le dernier buron sur l'Aubrac à produire du fromage. Merci, au revoir. T'as pas pris la 10 kilos quand même? Mais si, c'est hyper bon. Dans des endroits comme ça, c'est hyper rare. Enfin, ça n'existe nulle part. Il fallait en ramener. C'est hyper lourd.